Chaque enfant est destiné à se prostituer. Alors foutez-moi la paix. Moi j'ai mis dans la rue, j'ai écrit un lieu du repos en famille royale. Qu'est-ce que j'ai? Nazi. Ambassadeur,
Thank you.
la système en ordine, mon cher. C'est la même chose. Le même combat. Il a gagné les élections. Et il est mis de côté par une bande de mafieux. Le même combat. Mon cœur bat au rythme des barres de revers. Odinta, où il est où ? Honte à la Wallonie ! Dans la nature. Ouais. Honte à la Wallonie ! Honte à la Wallonie ! Honte à Elio Di Rupo ! Honte à Louis Michel ! Honte au roi des Belges ! Didier honte Rendex, à tout le monde ! Honte à Didier Reynders ! C'est un peu d'aide. Et ça suffit. On a été déjà expolié une fois en tuant Lumumba avec Mobutu. Et aujourd'hui, c'est avec Kabila. On en a marre. Nous voulons notre liberté et qu'on puisse respecter les choix du peuple congolais. C'est ça, c'est qu'on le demande. On ne veut pas de la provoque, on ne veut pas faire de casse par ici. Mais nous voulons que la voix du peuple soit respectée. Et c'est là, à ça qu'on devrait transmettre au peuple belge et au monde entier, aux dirigeants européens et ceux qui au reste de la communauté internationale. Merci. On en a marre de laisser ici. À Liège, on a tué 100 personnes par un psychopathe. Lui-même s'est suicidé calmement. Sinon, on voulait l'arrêter, on voulait le mettre dans les prisons. En pays scandinave, c'est lui qui a tué, on a arrêté un psychopathe. Mais comment expliquer Nengenini épiscopate? Badewi Benou, il veut que tous les Congolais retournent chez eux, que tu sais qu'ils sont les présidents, que les sécurités sociales, ils retournent aux Flamands. Parce que les Flamands travaillent beaucoup, et nous on veut retourner aussi au Congo pour travailler. Et qu'il va chercher un grand bâton, un grand cargo pour nous mettre tous les Congolais. Si vous voulez prendre un cargo en reverse, ils nous mettent là-bas, on va retourner. On va aller travailler dans notre champ. Et puis on va abandonner la sécurité sociale. Les ennemis du peuple congolais, Abad Bouchel, Abad Sarkozy, Abad Didier Reynders, Abad les traîtres, Abad les assassins, Abad les voleurs. Notez bien, le peuple congolais met en garde certains pays africains à la solde des Occidentaux de toute ingérence. Le peuple congolais exige le départ immédiat de notre territoire de tous les militaires étrangers, ougandais, tanzaniens, burundais et rwandais. Si le roi des Belges, le président français et le MR veulent se remplir les poches avec le sang des Congolais, ils doivent nous tuer tous jusqu'aux petits Congolais à l'étranger. Notre cause est juste et la victoire est certaine. Que vive le peuple congolais, que vive la démocratie en RDC, que vive l'élu du peuple congolais, le président de la République démocratique du Congo, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba.
arrivé à Anvers le 17 décembre 2011. Groupe de soutien Action Tshisekedi. Pasteur, combattant. Amnesty International. Ok. Même à 5h, même à 10h, 24h, au Zaroutouet, qui est dans la 120e. Je suis en train de soutenir ma collaboration à Zaroutouet, à la 120e. Et tant que ma belge va respecter l'élection à Maroc, tout le monde va islamiste, va vivre à Maroc, communauté internationale va mettre ma boc. Tout le monde est la Tunisie, va islamiste, va vivre, va mettre ma boc. Tout le monde est l'Égypte, va islamiste, va vivre, va mettre ma boc. Et comme il a tout le Congo, Olinga, Kabila, on a encore abonné 10 millions, abonné 20 millions, on va au Loba. Il y a un petit peu de temps à l'heure, nous allons défendre le monde à la vie. Nous allons défendre Makila. Il y a un avocat qui dit avocat d'Ilias. Donnez-vous à la Belgique et rompez la mort au Lélo. Nous avons un témoin à ce pays. Moi, comme nous voulons que Erwan a l'oubassé, vous venez. On a foutu comme ça déjà à Belgique et rompez la mort au Lélo. Merci. Merci d'avoir un bon là. Retour à votre force. Le prophète. Amour au Loba, ok, Kim. On peut vivre à côté, moi, vous voyez. Expliquez la nous. Il y a eu bourrage de urnes. Donc, babouré urne en faveur de la candidat numéro 3. La conscience a dit que si on a gagné, on ne peut pas disqualifier. Mais à la communauté internationale, il y a eu quelques irrégularités, il y a eu des erreurs. Mais quelle erreur en faveur de qui? Et pour
peuple a connu. On a porté une idée de la démocratie. Alors vous voulez la démocratie à deux vitesses. Tout penser, le coup la bino, tout ça, le coup la bino. Candidat au bino, vous m'avez dit, au tiaï. Alors pourquoi vous tenez à l'élection? L'équipe de Didier Reynders, le gouvernement belge, m'a occupé de Congo, c'est la prestation de ce mois. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Didier Reynders a aussi fait sa communauté. Ça, c'est une bonne chose. Dans le Didier Reynders, la télévision, la club RTL, Batounié, la cabine, tu sais que, Et là, on a une radio panique. L'ambassadeur Nyonso, parce qu'on a un vrai résultat de l'élection à Congo. L'ambassadeur Nyonso, Radio Vatican et Lobby, Mosse Molobi. Mais pourquoi Mazan Molobaké? L'observateur n'a pas qu'il n'a qu'il. Parce qu'il n'est pas observé. L'accès va être là, il est 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 là. Maintenant, si quoi, Mazan Molobaké, oh!